Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ensemble? Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Au cœur du calme, je le suis. Oh mon âme.
Amen. Sa lumière chasse nos ténèbres. Est-ce qu'on peut lire ensemble le psaume 34? Il va s'afficher à l'écran. Il y est déjà. On va le lire ensemble. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux s'écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Attendez, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On peut redire ça ? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Amen. On veut tourner vers lui les regards ce matin. Alors son chemin.
mon passé, on peut le redire ce matin. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Jésus, ta présence, c'est ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, ta présence, c'est ta présence, c'est le ciel pour moi. See.
Restez dans la présence simplement du Seigneur. Des malades sont guéris dans ce lieu, mais également des amis qui nous suivent sur le net. Il y a ce matin un homme, entre autres, qui est venu. Monsieur, vous êtes là pour l'une des premières fois, vous observez, au fond de vous-même, vous cherchez le sens à tout ce que vous êtes en train de vivre. Cette période difficile, tout ce que le monde vient de traverser vous a remis en question. Et vous dites, pourquoi est-ce qu'on est là? Vers où allons-nous? Il y a ce matin une parole du Seigneur pour vous. Alors que vous vivez une situation privée, difficile, votre couple va très mal, vous êtes en instance de séparation, votre monde, celui que vous vous étiez construit, s'effondre. Mais le Seigneur vous dit ce matin, si j'ai permis que tu sois là, c'est pour me révéler à toi. C'est pour que tu me connaisses. Ce que toi, tu n'as pas réussi à construire et à maintenir, moi, je peux le réparer et le relever. Mais plus que tout, je veux te donner ma vie, cette vie éternelle, ma paix, cette paix que tu ne connais pas. Il y a également ce matin une personne qui régulièrement a des laryngites régulières et c'est de plus en plus fréquent. Alors ça semble anodin pour une majorité de personnes, mais pour vous ça devient pénible. Le Seigneur vous touche en cet instant. Le Seigneur vous touche en cet instant et vous guérit. Il y a également sur mon côté droit, vous êtes aux deux tiers, une sœur, ma sœur, vous souffrez tellement d'arthrose. Encore cette nuit, vous pleuriez à cause de cela. Les douleurs, en particulier dans les mains, vous emmenez à pleurer. Le Seigneur veut vous toucher, vous guérir simplement. Mettez la main là où vous souffrez, vous tous qui êtes dans ce lieu, mais également sur le net, devant vos écrans, chers amis, chers frères et sœurs. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Là où deux ou trois sont réunis, je suis au milieu d'eux, c'est ta promesse. Et je te loue pour les malades que tu touches, que tu guéris en cet instant. Je te loue pour les malades que tu libères en cet instant. Je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais. En particulier un homme, vous êtes en train de nous suivre, vous souffrez de psoriasis. Un psoriasis extrêmement important, dans le visage entre autres. Parfois votre visage semble tellement sec qu'on a le sentiment que tout va craquer. Vous êtes parfois d'une couleur mais tellement rouge parce que le psoriasis fait cela. Le Seigneur veut vous guérir ce matin. Ça fait longtemps que vous demandez et parfois vous désespérez. Parfois vous déprimez à cause de cela, mais il met sa main sur vous ce matin. Père, je te bénis et je te loue pour ce que tu fais.
contemplons le Seigneur, écoutons cette parole d'introduction à la Sainte Cène, tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, les versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le mot rédemption veut dire il nous a acquis une libération du péché. Il nous a acquis la libération de la peur de la mort. Et il nous a acquis la réconciliation avec Dieu le Père, une fois pour toutes, pour ceux qui ont foi en lui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si Jésus est le chemin, la destination, c'est le Père. Et il a fait de nous, par cet sacrifice, pour ceux qui croient en lui, il a fait de nous des enfants adoptifs. Nous pouvons dire, je suis un fils et une fille de Dieu. Et tout cela, pour nous, c'est gratuit, n'est-ce pas? C'est gratuit. Et parfois, parce que c'est gratuit, c'est banalisé. Pour les destinataires de l'Épître aux Hébreux, eux, ils savaient de quoi ça voulait parler. Parce que pour eux, dans leur culture hébreu, ils payaient cher pour le prix de leur péché. Il fallait qu'ils fassent des sacrifices, qu'ils aillent voir des prêtres, qu'ils achètent des petits animaux, qu'on allait sacrifier. Ils payaient. Le péché coûte toujours un prix. Et pour eux, de leur apprendre, d'apprendre qu'il y a eu un sacrifice suprême qui couvre tous les péchés et que par le simple fait d'y croire nous donne accès au cœur du Père, c'était révolutionnaire. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à nous rappeler que la grâce dont nous bénéficions n'est pas une grâce à bon marché. Elle a coûté le prix de la vie du Fils de Dieu. Mais elle a été utile et nécessaire, indispensable, pour que nous puissions être, nous, réconciliés avec lui. Et c'est pourquoi nous voulons nous remémorer. La Sainte Cène est un mémorial. Nous nous remémorons de ce qu'il a fait pour nous. Et nous débordons d'actions de grâce. Et nous débordons de reconnaissance pour ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'aimerais répéter ces paroles. L'apôtre Paul qui dit la chose suivante dans 1 Corinthiens 11. La nuit fut livrée et prit du pain. Je vous invite à prendre le pain. Vous avez votre Sainte Cène avec vous, prenez le pain maintenant. Il a pris du pain, il a rendu grâce. On va lui rendre grâce, amen. On va lui dire merci. Pendant que la musique joue, je voudrais vous inviter à prier. Et à dire merci Seigneur que tu m'aies réconcilié. Merci que tu aies payé le prix de tous mes péchés. Merci que je suis sauvé. Merci que je vais échapper à la condamnation. Merci que je vais être un jour face à face avec toi. C'est une meilleure espérance. Merci Seigneur. Prions un instant. Dans notre cœur, derrière le masque peut-être. Mais parlons à Dieu. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la paix du pardon. Merci parce que nous sommes justifiés, déclarés justes par la foi en toi. Nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes reconnaissants pour cette paix. Et c'est avec reconnaissance, avec une infinie reconnaissance, que nous prenons maintenant ce pain. Prenez le pain. Puis il prit la coupe. Et cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez votre coupe. Merci pour la rédemption éternelle.
quelle grâce, Seigneur, que tu nous fais. Nous voulons la chanter. Nous voulons la célébrer, cette grâce. Et te dire merci parce que tu l'as incarnée, cette grâce. Merci parce que tu t'es offert toi-même en sacrifice et tu es entré avec ton propre sang dans le lieu très saint. Tu nous as ouvert une voie nouvelle, la possibilité de rentrer en communion avec toi en permanence. Sois loué, béni et adoré. Chantons avec Jonathan et l'équipe de chanteurs et de musiciens ce cantique aux grâces. Il m'a sauvé et libéré. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté. Pour un jeune homme. Und du bist hier in diesem Saal. Tu es dans ce lieu. Und du hast eine kleine Schwester. Tu es une petite sœur. Und du hast das Gefühl, diese kleine Schwester ist das einzige, was dir bleibt auf dieser Erde. Et tout ce qui te reste en ce monde, c'est cette petite sœur. Und du hast dich am linken Arm geschnitten. Tu t'es coupé au bras gauche. Und du hast mehrere Narben. Tu as plusieurs cicatrices. Und Jesus sagt dir heute Morgen. Et Jésus te dit ce matin, wenn du nur auf deine kleine Schwester schaust, si tu ne regardes qu'à ta petite sœur, und du hast das Gefühl, dass es das Einzige, was dir bleibt, et tu as le sentiment que c'est la seule chose qui te reste au monde, dann wirst du sie verlieren. Alors tu la perdras. Also ich möchte, dass du deinen Blick auf mich richtest. C'est pourquoi je veux que tu lèves tes yeux et que tu regardes à moi, dit le Seigneur. Weil wenn du deine Freude hier auf der Erde finden willst, car si tu veux trouver ta joie dans le monde, sous cette terre, dann wirst du sie verlieren. Tu la perdras. Und ich liebe dich. Je t'aime, mon fils. Und deswegen möchte ich, dass du nicht mehr auf deine Schwester schaust. C'est pourquoi je veux pas seulement que tu regardes ta petite sœur. Und ich weiß, wie schwer das sein wird. Et je sais combien ce sera difficile pour toi. Aber deine Schwester und deine Angst, sie zu verlieren, das hält dich von mir weg. Mais cette peur de perdre cette sœur. Et cette sœur elle-même, eh bien, te retient de me connaître mieux. Also, schau auf mich. C'est pourquoi regarde à moi. Suche mich. Cherche-moi. Und gib dein Herz wieder neu mir. Et redonne-moi ton cœur tout à nouveau. Und dann wirst du viel mehr gewinnen, als du bereits hast. Et tu auras beaucoup plus de bénéfices que tu n'es aujourd'hui. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Tu as une maladie chronique et tu as régulièrement été chez le guérisseur, tu as régulièrement fait de l'acupuncture, toutes sortes de tu as cherché toutes sortes de solutions. Et Dieu te dit, je suis celui qui guérit. Pourquoi ne viens-tu pas auprès de moi? Moi qui suis capable de te guérir définitivement. Ces gens t'ont fait du bien en apparence pour un temps, mais tu es toujours malade. Et tu as beaucoup d'autres problèmes qui se sont ajoutés à ta vie. Ne réalises-tu pas que de poursuivre ce chemin va te détruire? Ainsi, viens à moi. Et non seulement je suis celui qui guérit, mais je suis celui qui pardonne et qui veut changer ta vie. Je te connais et je t'aime. Et ce matin est un jour clé où je t'invite à me découvrir, à me connaître et à changer de vie. Le Seigneur veut également parler à quelqu'un, tu as des dettes. Et tu repousses toujours à plus loin le fait de rembourser tes dettes. Et Dieu te dit, ne suis-je pas celui qui pourvoit et qui veut pourvoir tes besoins? Ainsi, avec sérieux, commence à rembourser tes dettes et accepte de compter sur moi. Car je suis celui qui pourvoira tous tes besoins alors que toi, tu marcheras dans la justice, te dit le Seigneur. Amen.
Le Seigneur veut également toucher une sœur qui est sur Internet. Ma sœur, vous avez eu une paralysie du visage suite à une crise d'épilepsie et vous en souffrez. Et le Seigneur vous touche en cet instant. Vous ressentez la présence de Dieu comme une légère chaleur qui vient effleurer votre visage. C'est le Saint-Esprit qui vous touche et vous allez constater avant la fin de ce culte que vous serez totalement libre de cette paralysie parce que Dieu vous aime et parce que Dieu a vu votre souffrance, ma sœur. Le Seigneur veut parler à beaucoup de chrétiens. Des chrétiens qui aiment Jésus, mais qui doutent de leur vie éternelle et qui ainsi laissent place à des esprits qui les rend malheureux. Le Seigneur vous dit, prenez la victoire, prenez par la foi, je vous ai sauvé, j'ai payé pour vous, ne laissez aucun droit aux esprits maléfiques. Si vous prenez la victoire, vous serez libérés de ces chaînes, de ces souffrances, de ces choses maléfiques qui vous mettent en doute, qui vous rendent malheureux. Vous devez prendre la victoire et être heureux que j'ai payé pour vous et que vous êtes sauvés pour l'éternité et que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Prenez par la foi cette victoire et vous aurez la joie du ciel. Amen. Amen. Donc une parole pour une personne âgée, une dame, vous êtes sur Internet, vous nous suivez et vous êtes atteint d'une maladie qui est incurable. On vous a annoncé cette information récemment et vous êtes partagé. Vous voudriez encore rester sur terre et en même temps, vous êtes terraillé vers le ciel et vous avez dit, mais Seigneur, dis-moi le terme de ma vie. Et Dieu te dit ce matin, ma chère sœur, ton terme arrive bientôt. Prépare-toi. Mets tes affaires en ordre. Je t'attends. Je te cherche. Au temps convenable. Je t'aime, ma fille. Mets tes affaires en ordre. Et puis, de penser, je t'attends. Un instant, prions pour l'offrande. Père, nous te bénissons pour le fait que nous puissions être généreux envers ton œuvre. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Que sommes-nous sans que tu aies été là à l'origine de nos changements, de transformations? Et nous voulons, avec cette assurance dans ta parole, avec cette foi dans ta parole, avec l'assurance que toi, tu pourvois nos besoins, et bien avec foi, être généreux à l'égard de l'œuvre de Dieu. Croyons qu'avec moins, nous aurons autant, que tu sais multiplier ce que tu nous laisses, et que tout le reste, Seigneur, toi, tu sais le multiplier aussi pour l'Église. Et nous te prions que tu donnes toute la sagesse d'en haut à nos frères et sœurs qui gèrent les affaires de l'Église, qui gèrent les finances, et nous prions que tu les conduises dans les choix, dans les décisions, que tu veilles sur aussi cet aspect-là de l'œuvre de Dieu. Nous sommes confiants, Seigneur, que toi, tu es le maître de toutes choses, y compris de la gestion de ces fonds. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Grâce infinie qui vient sauver un pécheur tel que Sa grâce chassant ma peur.
infini. On peut applaudir le Seigneur fortement. Belle innovation. Amour immense, grâce infinie.